Et pour terminer, sur ces gardes, oui. Un livre de Stéphane Ledien, je sais pas si je te prononce correctement, mais ça, ce qui est le passionnant là, dans ce roman-là, ça se passe, un personnage, Eddie Barco, le personnage principal, est boxeur, un ancien boxeur qui a pris sa retraite. Et ça, là, on n'a jamais ça des enquêteurs. On est des enquêteurs qui sont journalistes, qui sont avocats, qui sont oui. prêts, toutes sortes d'affaires, mais moi, j'avais jamais vu un boxeur. Milieu, là, tu te dis, attends, là, et ça ouais. se passe dans le milieu parisien, des groupuscules, des émeutes, des choses qui ont mal tourné. On est dans un univers politique très trouble. C'est très efficace, c'est bien écrit. Et il y a un petit côté nostalgique aussi. On sent que l'auteur aime beaucoup les romans noirs américains et tout ça. C'est vraiment, moi, je veux qu'on retrouve Eddie Barco. Ah ouais, parce que c'est un beau, beau, beau personnage. Ah, puis on ne sait pas jusqu'où ça va le mener, non. cette espèce d'enquête improvisée. Non, mais moi, je ne vous dirai pas. Moi, je le sais, mais je ne le dirai pas. On va le lire. Voilà. Merci beaucoup, Christine. D'excellents choix. Amusez-vous. Bonne lecture, tout le monde.